Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais pas du tout prévu de vous vlogger. Là c'est clairement sur un coup de tête que je vous vlog. En fait, ce matin, j'ai levé les enfants à 8h. Et après, j'ai dit aux enfants, écoutez, je vais me recoucher un peu parce que je suis fatigué. Et du coup, bah, ils ont déjeuné, ils se donnent thé et tout. J'ai dit, s'il y a un problème, vous venez me chercher. Et je me suis rendormi jusqu'à 9h30. Ah, j'avais besoin de... Les dernières nuits, j'avais pas très bien dormi à cause de la chaleur et tout ça. Donc voilà. Donc après, je me suis levé. Hop, je me lève. Je vais chier. Tranquille. Me brosse les dents, je m'habille. Laura se lève aussi. Direct, je sors le PC portable dehors et je commence à faire la liste des courses parce qu'on a pas mal de préparations à faire ce week-end. On a pas mal de box à préparer et tout ça. Donc fallait la liste des courses. Fallait faire les courses tout simplement. Donc du coup, je commence à faire la liste des courses. Ensuite, il y a Gaston qui me dit, ah, viens voir et tout. On a discuté des vieux machins et tout ça. Parce que l'ancien propriétaire a eu rendez-vous à Gendarmerie hier. Du coup, il m'a raconté un petit peu et tout. Après, j'ai continué de faire ma liste des courses. Laura a eu son père au téléphone. Et puis... j'ai dit à Laura, je vlog pas aujourd'hui. Je dis, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de jour off, vas-y, je fais un jour off. Mais tu vois, t'as raison. Et en fait, je fais la liste des courses et tout. Et maintenant, je me dis, ouais, mais ça fait chier. Je dis, parce qu'au final, on a quand même du boulot, on a des box à préparer, machin et tout ça. Donc au final, il y a quand même du travail, tu vois. Et je me suis dit, bah, ça serait dommage de pas vloguer, ça fait perdre de l'argent en plus. Donc je me suis dit, je sais pas trop. Et après, elle m'a dit, fais comme tu veux. J'ai mis mes lunettes. Je me suis dit, je vais monter du coup chercher du liquide du coup de l'entreprise pour payer les courses. Parce que là, je paye par carte, mais on a du liquide aussi en fait, donc il faut que j'utilise le liquide. Et là, je me dis, vas-y, wallou, je prends la caméra, je vlog. Même si c'est un petit vlog de 20 minutes aujourd'hui, je sais pas combien de temps. Mais je me suis dit, bah c'est con en fait de pas vlogger parce que je travaille quand même, donc de toute façon, dans tous les cas, il y a du boulot. Donc autant vlogger, et puis voilà, et puis comme ça, vous suivez un peu notre journée et tout ça, tu vois. Donc du coup la liste des courses est faite, j'ai regardé ce qui nous restait en stock et tout ça pour l'entreprise, j'ai éliminé ce qu'il y avait déjà en stock et tout, il restait encore assez de farine, assez de sucre, des trucs comme ça, machin et tout. Du cheddar aussi il restait du comté aussi, enfin voilà, j'ai fait un peu le tour de ce qui restait pour éliminer sur ma liste de courses, et là j'ai ma liste de courses qui est établie, ça y est. Je sais ce que j'ai acheté et tout, et une fois que j'aurai tout acheté, on aura tout qui sera prêt. On a aussi proposé des lasagnes pour ce week-end. Donc je vais acheter les ingrédients pour faire les lasagnes, parce que les lasagnes de toute façon c'est vendu le jour même. Et si on a des commandes de lasagnes, et ben à ce moment-là je les prépare. Et si on n'en a pas, ben je les prépare pas et je garderai les ingrédients pour nous, voilà, tout simplement, tu vois. Donc voilà. Donc là, au boulot, je vais aller tout de suite aux courses. Là il est déjà 10h45. Je vais immédiatement aller aux courses, acheter tout ce qu'il faut pour toutes les prépas de ce week-end. Donc c'est demain, non il y en a aujourd'hui, il y en a demain. Donc voilà, je vais préparer, je vais faire les courses et tout, comme ça on va pouvoir attaquer les préparations. Et on sera plutôt bien pour ce week-end, voilà. Hop. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, je prends du liquide, ça change un peu. À chaque fois je prends par carte et puis le truc c'est que c'est mieux d'utiliser de garder la carte pour ce qui est acheter les emballages, les machins et tout ça. Donc voilà, j'ai du liquide et puis je vais aller aux courses dès maintenant, comme ça je vais faire tous les achats et après on aura tous les ingrédients qui seront prêts pour la préparation des Saintes Box, n'est-ce pas messieurs dames. Et je vais le voir, elle va dire bah tu vlogs finalement, je vais dire oui, et elle va me dire bah je croyais que tu vloguais pas. Je vais y aller. Oui, je vlog finalement. Mais non, mais de toute façon, on bosse dans tous les cas aujourd'hui. Donc je me suis dit, ça fait perdre l'argent pour rien. Quoi. Bon, allez, prépa. Je vais aller acheter tout ça. Et après, prépa. Même le week-end prochain, hein, comme je t'ai dit, on a déjà pas mal de commandes. Oui. Ouais. Oui, 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 madame. Oui, madame. Ça fait combien de fois que vous le regardez, Mario? Pas beaucoup. On a 10 fois qu'il regarde ce film. Il est sorti sur Netflix, là, alors ça y est. Allez, quoi de commande de plus avant de partir, histoire d'être sûr? Non, c'est bon, pas d'autres commandes. Allez, let's go.
les amis, il est actuellement 11h54. Je suis avec Théo, accompagné. C'est bon, j'ai fait les courses du coup pour les box de ce week-end. Quand je rentre, je vais faire les calculs pour voir si je suis bon au niveau des calculs scientifiques hautement professionnels et hautement compliqués. C'est faux, j'ai juste regardé si les coûts de matière première sont équivalents à mon ticket de caisse. Du coup, voir un petit peu, parce que c'est toujours délicat pour... Là, on a une box charcut à préparer pour ce week-end et tu demandes 150 grammes d'un produit, ils t'en donnent 240, tu sais. Et ils te disent, ça va pour vous. Et t'as pas... moi, j'ai pas envie de leur dire, bah non, en fait, j'ai demandé 150, vous faites 150. Bah, je dis, ouais, c'est bon, c'est pas grave, il y aura des restes pour nous, quoi. Donc du coup, bah, il y a toujours un peu plus cher que ce qui est prévu, donc voilà. Mais ça devrait le faire. Donc là, je rentre, je range tout, je fais les calculs. Puis après, je passerai la préparation, bah, du coup, le repas des gosses. Mais après, la préparation, par exemple, des poivrons, des oignons, des lardons, des oignons pour les tartelettes. La garniture pour les tartelettes poivrons. C'est un renard. Bah, oui. Ouais. Et puis après, bah, Laura le préparera les burgers. Pour préparer, il y a une box wrap aussi à préparer. Donc ouais, il y a plusieurs box aujourd'hui à préparer. Enfin, aujourd'hui et demain. Donc faut qu'on se divise le travail, qu'on voit un peu ce qu'il y a à préparer aujourd'hui, ce qu'il y a à préparer demain, etc., etc. Et voilà. Mais il fait chaud par contre. Hein. Ça marquait 19 degrés dans la voiture, j'y crois absolument pas. Il fait pas plus que 19 degrés. Il fait au moins 20-25, facile. Avec du beau temps jusqu'au 26 normalement. Normalement. Je suis triste. Pourquoi? C'est pas grave, parce que je le fais pas mon anniversaire. Tu verras quand même jouer derrière. Bah oui. Et puis, ouais. Et puis, à Malone, à ses potes qui viennent. Bah, Malone, cet après-midi, va chez sa grand-mère, parce qu'elle a besoin d'un coup de main pour des étagères et tout. Les mêmes étagères qu'on a récupérées, probablement. Et du coup, ce soir, il y a ses potes qui viennent à la maison pour faire jeu de rôle, machin et tout ça. Donc, j'ai l'impression que ma barbe est beaucoup plus garnie. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être une grosse signe. Bon, c'est bon, on est rentré, Laura a déjà commencé à préparer tartelettes, machin et tout ça. Et là, je viens de calculer du coup les coûts et tout, et on est... j'ai 2 euros de diff au-dessus, j'ai payé 2 euros de plus que ce que j'avais calculé, donc on est plutôt bien au niveau des quantités. Franchement, coût de matière première et tout, nickelos. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ah, je suis content, je suis satisfait. Bon, là, on fume une clope, puis après, je vais l'aider à préparer un petit peu. Hop là. Hop. Et puis la semaine prochaine aussi, on en a des... On en a plus. Plus à préparer la semaine pro. Oh ouais, ouais, si, on a beaucoup plus de quantité la semaine pro à préparer. Moi, j'ai le temps d'aller dehors. Oui. Salut. Salut. Ça va? Oui. Tu fais pas ton doigt comme tu dis bonjour là. Non. Ah non, c'est au revoir. Maintenant, Malone, il fait des doigts quand il dit au revoir. Dans la voiture, en disant au revoir à maman, parce qu'il allait un peu vite, il a fait un doigt. Bah, je sais, moi aussi je le fais à chaque fois. C'est pour rigoler. Mais c'est pour rigoler. Allez, let's go. Let's go, let's go. Bon, les amis, il est actuellement 13h43. Et du coup, bah, on a bien avancé dans les prépas. La box charcut, elle est prête. Je fais la box wrap cet après-midi. Les deux box, y a deux box aussi apéro. Et bon, ouais. Elles sont en cours de préparation. Il reste encore les burgers, machin et tout à faire. Et encore un petit peu. Et puis après, ce sera. C'est bien, au moins on a bien avancé. Hop. Et cet après-midi, faut que j'aille en moto, enfin, faut que j'aille. J'ai en moto du coup, mais faut que j'aille faire une photo du lieu dans lequel nous avons fait une enquête avec Geoffrey et Théo la semaine dernière. Parce qu'on a fait l'enquête et tout, je vais la monter la semaine pro, je vais la publier la semaine pro. Le truc, c'est que j'ai pas fait la photo de la maison pour faire la miniature. Et bah, il me faut une belle photo, enfin, une photo d'ensemble de la baraque pour faire une belle miniature. Donc j'irai vite fait cet après-midi. Et puis comme ça, bon, la photo sera faite et tout, nickel. Laura elle part aussi du coup chez sa mère parce que bah, elle a besoin de sa mère a besoin de Malone pour monter je sais pas quoi comme je vous ai dit. Et puis les enfants les jouent dehors et tout tranquille. Voilà. Il fait beau, profitons-en de toute façon. Il fait pas trop chaud en plus, ça va. C'est raisonnable. Bon. Allez, on va continuer. Tac, pour que celle d'aujourd'hui soit bouclée déjà, ça sera bien.
Bon les amis, les pains burgers sont cuits. Et là, j'ai fait les wraps, la box wrap aussi, ça y est. Bon, on a fait une partie quand même. On a bien avancé, ça va. Laura, elle revient tout à l'heure, là, elle reste chez sa mère, je crois, le temps que Malone est de sa grand-mère. Et puis après, elle reviendra, et quand elle reviendra, j'irai faire ma photo, là. Au lieu abandonné. La maison, le famoso maison de ten, abandonné ten. On reçoit les flyers aussi aujourd'hui, la nouvelle version que j'ai fait, que j'ai commandé. De toute façon, ils annoncent pas de flotte là cet après-midi. Il y a beaucoup de vent par contre. Ouais, il fait pas hyper chaud, hein. Il fait 24 degrés. Et demain, il y a de la flotte. Bon, normalement non. Parce que demain, il y a le feu d'artifice. Non, c'est bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas hyper chaud quand même. On n'est pas sur un temps de ouf. Après, c'est pas grave. Un peu plus, un peu moins, ça va. Tant qu'il pleut pas et qu'il fait pas 15 degrés, ça va. Bon les amis, moi c'est bon du coup, je fais ce que j'avais à faire. Niveau prépa, et puis là, je vais aller bosser sur la comptabilité. Je fasse le point sur les dépenses de ce matin, j'ai les tickets de caisse et tout ça. Hop, merde. Léo, tu peux monter le téléphone du boulot s'il te plaît, qui est à la cuisine. Ça, je fais un point sur la compta, comme ça c'est fait. Hop là. Et puis voilà. Hop. Ah. Première fois sur le PC depuis ce matin. Let's go. Bon les amis, c'est bon, j'ai pas mal fait de la compta là et tout ça. Laura est sur le retour. Je vais ouvrir les pains burgers là, c'est bon, ils ont refroidi. Et je vais reprendre du coup la préparation, comme ça bon, les pains burgers sont prêts. Bon les amis, les burgers sont prêts, il est 15h44. Il restera juste un petit peu d'une box demain. Enfin d'une box, plusieurs box demain d'ailleurs, oui trois. Mais une bonne partie est bien avancée, ça fait plaisir. Et du coup là j'attends de voir si les flyers on les reçoit, parce qu'on doit les recevoir aujourd'hui entre 15h45 et 17h. Pour les prendre avec moi, parce que je vais aller faire la photo du coup tout à l'heure du lieu. Et je me suis dit que j'allais aussi distribuer des flyers là où je vais, parce que c'est encore dans la zone géographique du coup. Desservi et tout ça, donc j'aimerais bien déposer le flyer, mais pour ça j'attends les nouveaux. On en a encore des anciens, mais plus beaucoup. Donc si je peux y aller et faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire distribution de flyer plus la photo du lieu, ça serait trop bien. Donc, je vais attendre encore un peu et puis je verrai si on le reçoit. Parce que le suivi, j'ai pas l'heure précise, c'est qu'un créneau, donc je sais pas trop. Et bon, les amis, on a reçu le nouveau flyer à l'instant, quelques modifications dessus. Du coup, là, je m'équipe. Puis je vais y aller comme ça, je vais faire cette photo et puis après je distribue des flyers le plus possible. Juste prendre ma casquette dans mon sac, je vais prendre le sac de toute façon parce que j'allais chercher du café aussi. Hop. Puis let's go distribution. Bon les amis, je suis rentré, il est actuellement 18h09. Alors, je suis allé, du coup, déjà je vais plein parce que j'ai plus d'essence. J'étais sur la réserve, ça s'allumait. Et avec la moto, pas trop rigoler parce que le réservoir il fait pas 50 litres. Je sais pas combien d'autonomie une fois que la réserve s'allume, mais ça doit pas être énorme. Quelques kilomètres seulement. Donc c'est bon, j'ai fait le plein de la motocrotte. Après, je suis allé du coup sur le lieu de la maison abandonnée. Et il y avait les flics qui avaient posé les jumelles. Juste devant. Je me suis dit, oh bordel de merde. Mais ils sont partis quasiment quand je suis arrivé. Donc après, j'ai pu faire la photo. Du lieu abandonné, donc je vais pouvoir faire la belle miniature et tout ça. Après, je suis parti sur Saint-Dié pour acheter le café de Laura, parce qu'en fait, ce matin, je suis allé aux courses, mais elle a oublié de me dire qu'il n'y avait plus de café. Donc, je suis allé acheter le café. Et puis, ensuite, je me suis dit, bon, je vais distribuer des flyers, mais j'avais super mal aux pieds, à l'orteil. Et en passant les vitesses, ça me faisait encore de plus en plus mal, je sais pas ce que j'ai. J'ai dû me cogner le pied, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai foutu. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, c'est chaud. J'ai distribué un peu de flyer, mais après j'avais mal. Et je me suis dit, ouais, en plus il était déjà 17h30, je sais plus quelle heure. Je me suis dit, vas-y, je vais rentrer, faut que je fasse à manger aux gosses et tout. Donc finalement, je suis rentré, j'ai rangé la moto. Gaston repartait de ses travaux, du coup on a discuté avec Laura et tout.
Les copains de Malone sont arrivés, mais il en reste encore un qui doit arriver. Donc ils sont pas tous arrivés. Je sais même pas ce qu'ils ont chaud, faudrait que je demande à Laura. T'as mon tatouage, il croûte. Alors je ne gratte pas, hein. Je fais très attention de ne pas le gratter, même si ça me gratte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il n'a pas croûté tout le long, c'est juste des endroits où il a croûtaillé. Mais ça va. Bref, une bonne chose de fait, là, je suis quand même content. On a eu des commandes de part de lasagne pour demain. Donc demain matin, je sais qu'il faudra qu'on prépare du coup les lasagnes maison. Plus le reste des box. Du coup, là, il y en a qui vont partir. Et demain, 17h ou 17h30, je crois, il y a des gens qui viennent chercher les box directement. Du coup, c'est pas loin. Et il faut que je demande à Laura si c'est livraison ou tout le monde vient chercher. Je sais plus. Mais bref. Dans tous les cas, il y a encore à terminer des box et tout, mais il y en a qu'on va terminer demain. On n'a pas encore fait, on n'a pas complété certaines box, donc il faudra faire demain. Donc ça c'est bon. Pas de live ce soir, ça c'est bien aussi. Enfin, franchement c'est bien. Et hier j'ai parlé en live justement des revenus YouTube. J'ai dit il y a une douille sur YouTube, c'est toujours pas corrigé. C'est qu'en fait, genre le 10 juillet, les revenus ont fait comme ça. Et je me suis retrouvé comme si j'avais pas sorti de vlog, quasiment rien de gagné. Et je dis mais il y a un problème, c'est pas possible. Et du coup plusieurs dans le vlog ont dit ouais il doit y avoir un souci avec YouTube, c'est pas forcément toi et tout ça. Je me suis dit bah, mais c'est pas possible. Et en fait hier soir après le live je suis allé voir sur le studio et c'est marqué les données sont incorrectes pour certaines dates du 10 au 12 juillet mais nous mettons tout en œuvre pour résoudre le problème. Données des 3 jours précédents en cours de traitement. Et revenus estimés... Les données enregistrées à certaines dates, par exemple 10 juillet, sont inférieures aux valeurs réelles, mais nous mettons tout en œuvre pour résoudre le problème. Voilà. Donc en gros, il confirme bien qu'il y a un souci. C'est clairement. C'est comme si j'avais pas sorti de vlog. Le vlog n'a quasiment rien porté. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié de mettre la monétisation et tout. Mais non, pas du tout. C'est un bug de YouTube. Donc maintenant que je sais que c'est un bug de YouTube, je me dis bon bah je laisse le temps faire et puis ils corrigeront le problème et puis voilà quoi, il n'y aura pas de soucis, pas de lézard quoi. Ouais, pas de live ce soir, ouais, c'est vrai, pas de live, juste le vlog à monter, à la limite le monter demain matin, non je pense pas. Non je pense pas le monter demain matin parce que j'ai dû. Bah il y a des prépas à faire. Il y a des box pour midi. Des parts de lasagne à faire aussi. Donc ouais, faut que je vois. Mais ouais, non, faudrait vraiment que je monte ça ce soir, comme ça au moins c'est fait. J'ai aussi croisé en moto un mec. En fait, quand j'ai passé mon plateau, il y avait un mec qui passait le plateau en même temps que moi. Et ça faisait 6 ou 7 fois qu'il repassait le plateau, qu'il le ratait à chaque fois. Et ça m'avait fait tellement chier pour lui parce qu'il l'a passé en même temps que moi pour la 5 ou 6ème fois, je sais plus exactement. Et il l'a raté. Alors que putain, à l'entraînement, il y arrivait super bien. On a fait des heures de plateau la veille et il réussissait nickel. Il le passait sans problème, fingering the nose, mais tellement stressé qu'il merdait à chaque fois à l'examen. Et là, du coup, j'étais en moto et puis je vois en rond-point deux motos passer. Et en fait, je l'ai reconnu parce qu'il m'avait dit quelle moto il voulait acheter. C'était une. Il voulait acheter une IJ7 ou je sais pas quoi, c'est un peu un trail. Et j'ai vu ça, il a une très grosse barbe aussi, limite plus grosse que moi, et il est très baraque. Enfin oui il est très gros mais du coup il a une grosse. Il est volumineux. Et je me suis dit oh putain c'est lui. Ouais, c'est plaisir qu'il a eu son plateau et son permis depuis un an. Ah ça fait plaisir, je me suis dit alléluia. Je me suis aussi fait klaxonner par une voiture sans permis. Bah voiture sans permis ça n'avance pas. C'est pas un problème, moi je m'en fous. C'est pas grave, mais au bout d'un moment, bah, je l'ai dépassé. Donc, je l'ai dépassé, et puis franchement, pas comme un niqué, rien du tout. Il y a personne en face et tout ça. Hop, je l'ai. Et puis l'autre, elle me klaxonne, mi 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 mi. Ben, j'ai dit, mais ça va, gros, je t'ai pas fait une queue de poisson, ça va, tranquille, quoi. Je sais pas, il était énervé, le bonhomme, on sait rien. Et puis pareil, j'ai croisé aussi deux motards qui étaient devant moi. Ils ont roulé comme des niqués. Ils ont grillé un feu rouge devant moi, et après, ils roulaient comme des cinglés. Oh, j'étais là, waouh. Déjà qu'on est vulnérable en moto, alors si en plus tu t'amuses à griller des feux rouges, c'est chaud quand même. C'est compliqué quand même cette histoire, tu vois. Et puis je suis content, bon moi on a reçu les flyers, mais ouais je... Puis en plus le problème c'est que j'étais en botte moto, et botte moto bah c'est serré, plus serré qu'une chaussure normale, et du coup bah vraiment ça m'a fait trop mal aux pieds. Ah j'étais pas à l'aise. Bref c'est pas grave. Allez, je vais aller voir si... Bah normalement, Malone et ses potes, tu dois manger au taco sous kebab, je pense. Et puis...
Ouais, j'ai des petits pois carottes à faire pour les enfants. En plus, ils aiment bien les petits pois carottes. C'est pas comme s'ils allaient dire Non, ils aiment bien. Donc ça va aller. Bon. Ah, ça me gratte. J'ai une croûte là. Juste là. Là, là, au milieu, là, là. Et c'est des semi-cates, là. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir fait les photos, là. Faut que je les envoie sur le drive, les photos de la maison. J'en ai pris 3, 2 sous le même angle et une troisième sous un angle différent. Pour essayer de faire quelque chose sympa. Donc, je vais voir. Je vais voir laquelle j'utilise pour la miniature. Ouais. Bah, le problème c'est qu'il y a des arbres devant donc on la voit pas super bien, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, let's go, on y va. Bon les amis, les enfants ont mangé, les ados ils vont aller manger tacos. Et puis là je viens d'arroser tout le jardin. Ah, ça pousse bien dans le jardin, putain. Ah, ça pousse vraiment bien. Je vais ranger un coup la cuisine. Et puis après nous on ira prendre notre douche aussi et puis se poser hein, tranquille. Hein. Je fais pas de live ce soir, juste monter mon vlog. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont sali tout le bol. Ah, c'est pas grave. Hop, allez let's go. Bon les amis, il est actuellement 19h47. J'ai très très mal là. Au trapèze, ça me lance dans le bras. En moto, je sais pas. Oh, bah dis donc. Bon, je vais clôturer ce vlog. Après cette journée de prépa. Photo du lieu abandonné. Les enfants rejoués dehors. Tout ça, et réception des nouveaux jolis flyers, et ça c'est cool. Je suis content. Il va vraiment falloir aller distribuer les flyers, j'irai demain. Demain matin, je sais pas, à voir au niveau du temps que j'ai. Je vais vous montrer quand même le vlog demain, je pense. Mais demain tôt, dès le réveil. Comme ça, au moins, c'est fait. Hier, j'ai publié, tu sais, je publie 2 shorts par jour. Hier, j'ai publié un short. Il a trop marché. Bon, ça va pas rapporter grand chose, hein. Mais je me suis amusé à rigoler de ça en disant ah, ça y est, à moi le. J'ai percé sur YouTube dans les shorts, à moi la gloire. Ah, j'ai fait 4500 vues sur un short, c'est étonnant d'ailleurs. Très étonnant. Ça rapportait 2 abonnés, donc en vrai, ça a rien fait du tout. Et les shorts ne rapportent rien. Je gagne 1 balle ou 2 balles par mois avec les shorts. Mais voilà, je le fais. YouTube a dit qu'il fallait faire, je le fais. Voilà. Mais c'est vrai que pour qu'un short marche autant, c'est chaud quand même. Hein. Chaud quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je ne sais pas du tout si elle est longue ou pas, j'en ai aucune idée. Oh putain, j'ai plus de place sur le disque dur. Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose parce que faut que je recommande un nouveau disque dur externe. J'ai commandé le mois dernier un disque dur et là faut que je recommande un, il est déjà plein. Parce que j'ai plus de place du tout. Sur, il me restait à peine 106 gigas. Sachant qu'un replay de Laura, ça fait genre 90 gigas. Donc bon, ça craint un peu. Parce que là, j'ai rien d'autre. Ah si, là, j'ai des... Ah si, si. Je regarde si j'ai pas des fichiers à supprimer pour faire de la place au disque. Il y a ça. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Je vérifie hein, chaque dossier. Non. 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 Je fais le tour de. Je joue chaque dossier pour voir si j'ai pas oublié des rushs. Parce que je garde du coup je garde les fichiers finales. Je backup toutes mes vidéos. Que où je sais pas, si un jour j'ai besoin. Et par contre les rushs des caméras, je les supprime. Ça contre place, ça sert à rien de les garder. Pareil pour Ghost, les Ghosts je les garde un peu plus longtemps, mais au bout d'un moment je les supprime parce que ça contre place sur le disque dur. Ah bah là tu vois hop j'en avais un supprimé. J'en avais. Ah là aussi, j'ai oublié celui-là. Ah il y en a quand même que j'ai oublié. Puis bon un coup de 2 gigas. Ça c'est des replays de live de TikTok là. Mais bon, ça fait tout de suite. Ça peut tout de suite faire de la place sur le disque.
Nan de moto, replay de live. Oh là, c'est tous les replays là. Les replays normalement, eh ben là aussi. Et là aussi j'ai oublié de supprimer les rushs. Oh là là, qu'est-ce que... Non, là c'est bon, c'est supprimé. Ça fait le deuxième semaine de replay de live que... qu'il n'y a plus de... qu'il y a encore les rushs. Donc finalement... Ha! Finally, mon gars. Ça, là aussi. Là aussi. Ah non, non, non. Non, ça c'est les lives de cette semaine. Donc ceux-là, faut pas les supprimer. Si je les supprime, je peux pas augmenter Fescar. Non, là c'était juste des fichiers. Ça je garde. Routine ménage 2. Ouais, j'ai quasiment fini de faire le tri. Mais bon, j'ai quand même réussi à supprimer les trucs. Ça, c'est les rushs des vlogs. Oh bordel. Moins 30 vlogs en rush là. Oh. Ça va ou bien? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Je vais dans la corbeille pour vider la corbeille. Pour faire la place et on verra. Qu'est-ce que j'ai récupéré du coup? Eh, hey, 30 gigas. 30 gigas, ça me permet de tenir encore un petit peu avant de commander un nouveau disque dur. Hein. Hop, allez, création vlog 1500 vues celui-là. Eh ben, putain. Ça fait quand même un petit moment que je vous vlog. Hein. En fait, la dernière fois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain, hey, 1500 vlogs. T'en rends compte, toi? 1500 vlogs, ça fait 4 ans que je vlog. Tous les jours, hormis les exceptions quand je fais des jours off, comme pas aujourd'hui du coup. 1500 vlogs. Attends, je vais aller voir sur Social Blade. Social Blade. Allez, cherche. 3718 vidéos sur ma chaîne YouTube. Oufissime. Social Blade, ils disent que je gagne 1300 €. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi je suis en channel type O2? Je suis en lifestyle, je suis pas en O2 maintenant, normalement. Ah oui, comment ça se fait? Attends, paramètres de la chaîne. Chaîne. Mots-clés. Ah, tu peux mettre des mots-clés. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? J'ai mis recettes, daily vlog, vlog famille, ouais c'est déjà bien. Accès aux fonctionnalités, toutes les fonctionnalités sont ok, enregistrées, voilà. Et dans, c'est dans quoi du coup qu'on met le... On met le style. Catégorie lifestyle. Ah voilà, comme ça ça mettra d'office la catégorie lifestyle. Mmh. Ok. Bon allez, let's go. Je vais vous laisser. Je suis fatigué en plus. Putain. Ouais. J'ai un peu mieux dormi quand même cette nuit, un peu moins chaud, mais quand même. Allez, je vous remercie de regarder cette merveilleuse vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle, pas un nouveau vlog, voilà, demain. Des bisous, salut.